Je m'ennuie, j'ai rien. Vous voyez, j'ai rien sur la table. Alors, je crois que ma maman m'a apporté un petit colis. Alors, on va voir tout ça. Allez, générique, générique. Allez. Voilà, et nous revoici. Je crois que ma maman a porté un colis qui est juste à mes pieds parce que voilà. Ah oui, je vois quelque chose. Voilà. J'ai trop hâte de voir. Alors, sur mes genoux ou sur la table? Je sais pas. Sur les genoux, c'est mieux. Alors voilà. Oui, j'ai hâte. D'être avec moi, comptez jusqu'à 3 avec moi. 1, 1, 2, 2, 3, Féo. Ça va, oui. Moi, je sais plus. Attends, moi, voilà, Fui. Ah! Waouh. Alors, en premier, est-ce que votre papa ou votre maman est avion? Puis de l'avion, comme mon papa et moi. Et moi, et ma maman, voilà. Et dites-le moi en commentaire parce que... En fait, ça, je crois que c'est un smoothie. Ah ouais, c'est un smoothie, mais un peu dur. Ah, il est dur. Alors voilà, je vais vous le montrer. Voilà, ce beau smoothie. Mais il est un passé. Si vous entendez un peu de la musique, c'est normal parce que ma sœur fait de la musique, elle fait du violoncelle. Enfin, je vous dis tout ce qu'elle fait, elle fait du violoncelle, guitare et guitare électrique. Alors les garçons, si vous suivez cette chaîne, regardez cette vidéo parce que... Alors, qui c'est qui est rouge et qui a une araignée? Bien sûr, vous l'avez... Je crois que vous l'avez deviné et c'est Spider-Man. Regardez comme il est bien souple. Voilà, il est bien souple. Mais il met du temps. Alors, je vais vous le montrer de plus près. Comment ça, ça va, maman? Voilà. Il est hyper... Oh, il est trop bien. Là, il est un peu cassé, mais c'est pas grave. Voilà. Je les mets là, comme ça, vous pouvez les voir. Voilà. En fait, eux, ils tombent beaucoup. Alors maintenant, deuxième pour les garçons, mais après, je trouve que ça sera un peu fille. Alors, attends, où il est? Ah, voilà. Mais lui, il est aussi hyper extensible. Waouh. Alors, maintenant, voilà. Oui, il est sympa. Voilà, on va le mettre là. Maintenant, on entre au esprit girl. Voilà, alors. 3, 2, 1. Il est trop beau, hein. Alors, je vous explique ce qu'il faut faire. On peut l'aplatir. Enfin, l'écrabouiller, l'aplatir, mais pas faire ça parce que sinon il se coupe. Vous voyez là, elle est déjà coupée. Voilà. Voilà. Oh, de plus près. Mais il sent bon celui-ci. Il y a une odeur. Oui, il y a une odeur, mais je n'aime pas trop. C'est un peu la fraise, c'est un peu le tagada. Ouais. En fait, mon papa, il m'avait dit peut-être qu'il va m'apporter 10 smoothies parce que maman m'avait dit ça. Mais peut-être, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'il m'a apporté d'autres smoothies. Mais il sent bon celui-ci, il sent. Ouais, sent bon, santé. Alors, nous revoici. Alors, maintenant, je vais vous remontrer quelque chose. Là, je l'aime trop parce que l'univers est beau.
Oui, ils sont bons. En fait, ils sont pareils que le chat. Voilà, je vais le montrer de plus près. Il est bien souple celui-là aussi. Oui, lui aussi il est bien souple. Il sent, qu'est-ce qu'il sent celui-ci? Je sais pas trop, un peu pareil que le chat. Tu veux voir? Hein? Ouais, ça sent le bonbon. Ouais. Voilà, maintenant le coup. Oh, ils sont tombés par terre. Bon, ça sert à rien, on va dire qu'il faisait. Voilà. Voilà. Sauf l'avion. Voilà. Voilà. Et voilà. Ah oui, il est dressé. D'accord, je vais les dresser. Non, c'est pas que maman m'a dit. Elle m'a dit redresser. Voilà. Le plus gros pour la fin. Voilà, il est trop mignon. Mais lui, mon papa, il ne me l'a pas apporté. C'est moi qui l'ai acheté. Avec mon argent. Il est cabouille. Et voilà. Mais c'est pas fini. Hein. Il y a une petite fleur sur le côté. Très sympathique celui-ci aussi. Alors on nous a dit qu'il fallait les aplatir comme ça. Ou alors... les crabouiller. Voilà, comme ça. Mais pas le tordre. Pas les tordre. Voilà. Parce qu'il se casse en fait. Je c'est fragile. Hein. Voilà. En fait, je vous le dis. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Voilà. Alors maintenant, on passe à l'avant-dernier. Et. Alors lui, il est extensible. Et on peut lui servir comme porte-clés. J'aime trop son bain. Il sent un peu quelque chose. Il sent un peu ça, je crois. Il sentait. Il sent bon. Alors, maintenant, on passe au gros. Tintin, gâteau. Alors, joyeux anniversaire, le gâteau ton porteur, celui de ma grand-mère, joyeux anniversaire. Voilà, je vais vous montrer. Il est très beau, très réaliste. Avec les petites fraises. Et il peut s'écrabouiller. Et là, c'est surtout tout doux. Il sent un peu le gâteau. Hein. Imagine, c'est un vrai gâteau. Fait ça. Voilà, avec la moumousse. Voilà, c'est fini pour les smoothies. Mais, d'accord, une chose. Je vais vous montrer avec ma bicyclette. Je vais là-bas et je reviens. Alors, voilà mes smoothies. Maintenant, on va faire une récapépète. On va mettre un petit fond quand on va la poster. On va mettre un petit fond. Mais en attendant, c'est moi qui fais la musique. Je vous mets un gâteau dans la tête. Oui. Bon, sinon. Oui. Vous voulez une fraise? Alors maintenant, une chanson que moi je vais faire, je m'en souviens, c'est... Attends, je l'ai inventé là. On cueille les cerises dans le bois, gare aux loups qui
mange les humains. Maintenant, s'il te plaît, je peux faire une chanson. Alors maintenant, je vais vous dire une chanson qu'on a apprise à mon école. Une chanson, c'est deux. Alors, c'est le petit arbre et le mille. Alors, on commence. 3, 2, 1. C'est un drôle de petit arbre, mon petit arbre à chanson. Dès que s'ouvre ses beaux jours, elle s'envole et tourne en rond. J'y grimpe avec mon échelle. Attendez! Récolté dans mon panier, en ses ouvrettes, les fruits de mon chansonnier. C'est un drôle de petit arbre, mon petit arbre à chanson. Dès que s'ouvre ses bourgeons, elle s'envole et tourne en rond. Bien souvent je m'y attarde, reste perché dans mon arbre, en sucettant quelques notes que je boulotte. C'est un drôle de petit arbre, mon petit arbre à chanson. Dès que s'ouvrent ses bourgeons, elle s'envole et tourne en rond. Elle s'envole et tourne en rond. Elle s'envole et tourne en rond. Voilà, maintenant je vais vous dire 1000 pattes, mais rapide. Alors, savez-vous ce qu'il fait? Une fois tic et 80 fois tac. C'est un petit animal sympathique. 1000 pattes, qu'un patte dans le plâtre. Ce 1000 pattes au fin fond des Carpates trouve le vieil hibou au meilleur pote qui lui fait avaler 3 patates afin de lui guérir sa petite patte. Quand il eut avalé les patates, il devint aussi rond qu'une tomate. Son nombril lui tomba jusqu'aux pattes, l'empêcha de regagner ses pénates. Quand mon ami lui dit l'homéopathe, quand on batte ne fait pas l'acrobate, prenez donc une place en carrosse, vous paierez avec un morceau d'os. Tout content, il a pris l'autobus. C'était le petit autobus des puces. Abassé tout fringant sur les pattes, a ramené les 1000 pattes à 4 pattes. A ramené le 1000 pattes à 4 pattes. Au revoir les amis, j'espère que ces deux chansons et les smoochies vous a plu. Alors, arrêtez comme des smoochies.